Bonjour à vous, mes chers. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce 14e rendez-vous des lundis d'AFA de l'année 2021. Et c'est pas le moindre des lundis, puisque comme vous le savez, nous sommes le lundi de Pâques et nous allons pouvoir parler quelques minutes de ce fameux lundi et du rendez-vous que ça représente pour nous tous dans notre cheminement de cette, je dirais, de cette nouvelle terre que nous sommes invités à inventer dans ces temps de confinement, ces temps de dureté sociale. Il y a d'autres solutions qui se présentent. C'est aussi pour nous, si vous suivez le jeu Solune et les enseignements des anciennes des 13 lunes, le bilan de l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre période, si vous avez suivi la dernière pleine lune de l'illumination de l'Est, elle est en train de nous dire: nous sommes à un moment où nous allons pouvoir ancrer notre nouveau territoire et notre nouveau cheminement dans cette année. Terme du premier trimestre, bilan de l'Est, bilan du peuple des humains, de la nature et des maîtres ascensionnés. Je vous lis ici, pour celles qui ont le jeu Solune, hein, ce qui est écrit dans les enseignements. Le bilan de l'Est, il nous dit avec la carte du jeu, Anacarte encore, qu'est-ce que je peux dans cette nouvelle roue médecine qui m'accueille. Et vous le savez que la prochaine nouvelle lune d'avril est vraiment le commencement de votre cheminement de cette année 2021, de ce que vous allez pouvoir vraiment construire sur votre terre sacrée, sur votre cheminement personnel. Eh bien, ce bilan de l'Est, il me demande de regarder qu'est-ce qui est dans mon potentiel et dans mon pouvoir. Je vous lis ces quelques mots qui me semblent importants. Au moment de mon éveil, dans mon innocence, mon ignorance, mon impuissance de nouvelle-née, je regarde mon potentiel infini et je prends la mesure de mes aptitudes. J'allume la bougie qui guide mes pas, là où le peuple des humains, l'univers de la nature et le monde des maîtres ascensionnés m'invitent à l'illumination de ma conscience. Le feu et l'énergie yang me donnent l'énergie cosmique pour réveiller mes sens, me rappeler mon rêve initial, affirmer mon chemin de vérité. Et vous voyez que ces mots ne sont pas sans sens en ce lundi de Pâques, puisque même si ces enseignements sont profondément chrétiens, nous parlons de la crucifixion de Jésus, nous parlons de ce que nous venons de traverser, le jeudi saint qui est le dernier jour du repas de Jésus avec ses apôtres. Dans l'imagerie biblique, c'est une image, mais les métaphores donnent un sens à notre réalité et ne les reniez pas sous prétexte que vos croyances se portent ailleurs. La foi profonde donne la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours, les 3 jours sacrés qu'on appelle le Triduum? Le jeudi, jour de la scène, jour où jeudi rassemblé avec ses 12 apôtres. Oh, comme c'est intéressant, nous avons ce bilan aussi des 12 lunes qui est venu jusqu'à nous pour nous dire « qu'as-tu fait de ton chemin précédent ?» Et puis, ce jeudi de la scène annonce le vendredi de la crucifixion. La crucifixion, c'est-à-dire ce qu'on appelle la trahison de Judas, si l'on comprend qu'au moment où Jésus prend son repas avec ses apôtres, avec ceux qui sont siens et à qui il a enseigné et qui lui ont enseigné, Judas n'est pas un traître, mais Judas est celui qu'il choisit pour se dépouiller de son enveloppe charnelle, se dépouiller de l'ego, de la personnalité. On parle de crucifixion, on parle de sacrifice. Mais de quoi fait-on sacré? Dans le mot sacrifice, qu'est-ce que je fais sacré de ce dépouillement qui m'est demandé tout à coup de mes oripeaux qui ne me servent plus? Et dans cette vision terrifiante de Jésus sur la croix, ce que l'on entend, c'est surtout que Jésus va abandonner un ego, une enveloppe charnelle, pour pouvoir, en ce samedi de résurrection, faire renaître sa conscience. Vous voyez, nous sommes lundi, les 2 derniers jours, ça fait un moment que je réfléchis à cette chronique et que je cherche quel est le sens œcuménique de cette signification. Ne pas le relier à la religion, mais le relier à la foi profonde de notre évolution pour chacun, pour vous
et pour moi. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'entends? J'entends que ce samedi de crucifixion, il m'est demandé d'abandonner toutes mes croyances anciennes, toutes ces enveloppes charnelles qui m'ont fait tenir debout, mais qui font qu'aujourd'hui, mon existence ne se résume plus à ce que j'ai construit de l'ordre de mon ego et de l'ordre de mon apparence, et qu'est-ce que ma conscience va pouvoir me révéler pour que le lundi, en ce lundi de Pâques où nous allons chercher nos petits œufs de germination, nos œufs de fécondation, nous allons pouvoir renaître avec une nouvelle conscience. Je vous rappelle que c'est aussi le moment, par exemple, chez les Hébreux, de libération de l'esclavage, où le peuple hébreu est parti d'Égypte pour aller traverser le désert, mais a compris aussi qu'il pouvait se libérer de l'esclavage. Et dans cette notion de libération de l'esclavage, c'est de l'esclavage de nos propres contraintes, de nos propres formes, de tout ce que nous avons choisi pour nous enraciner à quelque chose, pour nous enchaîner à des croyances et pouvoir tenir debout. Eh bien aujourd'hui, en ce lundi saint, voilà ce qu'il vous est demandé, abandonnez vos oripeaux. Et je dirais, comme et je remercie ma tendre amie Chantal pour ce mot qu'elle m'a donné aujourd'hui, et trouvez votre terre sainte, votre nouvelle terre où vous allez vous enraciner. Alors voilà ce que je vous propose comme petit exercice assis avant de faire le tirage du jour, c'est de reprendre, vous voyez, avant la révélation de l'Esprit Saint qui est, on va dire, formalisée par la Pentecôte, dans 7 semaines, nous avons donc 7 semaines pour essayer d'aller jusqu'à l'enracinement de notre nouvelle foi. Aussi, chaque lundi qui va venir jusqu'au lundi de Pentecôte, et ça fera 7 lundis, je vous propose d'explorer ces arbres de connaissances. Cette première semaine, je vous propose de réfléchir à ce que vous entreprenez dans cette quête de Graal de vous-même, parce que la quête de Graal vient d'ici, de la coupe versée du sang du Christ. Elle vient exactement aussi de cette même mythologie, de cette même métaphore. Qu'est-ce que vous allez cette semaine entreprendre sur votre chemin de pèlerinage vers vous-même et vers votre propre rencontre? Et quand nous arriverons à la 7e semaine, nous aurons parcouru l'arbre d'entreprendre, puis d'apprendre, puis de comprendre, puis de prendre place dans la matière, puis de communiquer, d'entrer en relation, puis d'aimer, de s'aimer et d'être aimé, et enfin sur quoi je peux me reposer. Et nous arriverons dans une globalité, et c'est tout l'intérêt de ce jeu pour moi, hein, faire de notre petite partie de puzzle l'image globale de ce que nous sommes et de où nous allons. Nous arriverons à notre propre révélation de notre Esprit Saint, c'est-à-dire de notre foi. Vous pouvez réécouter, j'ai peut-être été rapide, mais j'essaye de diminuer le temps de lecture de ces chroniques pour vous maintenir jusqu'au bout. Donc nous voici maintenant au moment du tirage de cette semaine, et je vais le traduire tout simplement par cette semaine. Qu'est-ce que j'entreprends pour aller vers mon chemin de réalisation vers moi-même? Voilà à quoi. C'est intéressant parce que le 14, nous sommes dans un AFA. Le 14 est dans le tarot la carte de la tempérance, c'est-à-dire de la guérison. Ça me plaît. Donc moi, ici, la légèreté. Dans le monde, ici, le lâcher prise. Voilà la coupe. Nous avons Quest qui nous dit être léger. Allez essayer de dépasser tous vos enracinements, vos croyances, tout ce sur quoi vous vous êtes construit, et redevenez léger. Vous savez, je prends souvent l'exemple du pissenlit et de ces petits papus qui s'envolent dans le vent et vont essaimer ailleurs leur conscience. Essayez de devenir un petit papus dans le monde, d'autant plus que le monde vous demande de lâcher prise et de rester accompagné par l'invisible. La première carte qui va nous être proposée en situation actuelle, elle est là.
La seconde va nous parler de nos atouts cette semaine, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour entreprendre. La troisième carte va parler de ce qui peut bloquer, un peu piquer, un peu vous arrêter dans votre évolution. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas entreprendre avec aisance? Et la quatrième est toujours une invitation à la solution. Regardez le miracle à nouveau. Cette semaine, plus que jamais, il vous est demandé d'être léger. Là, quand vous êtes confronté à vos plus grandes craintes, vos plus grandes peurs de ne pas exister, de ne pas vous enraciner dans le monde, laissez-vous voler, parce que le monde, lui, va trouver où vous pourrez vous enraciner. Acceptez d'être sans territoire pour que le monde devienne votre terre sacrée, votre terre sainte. Aujourd'hui, pour trouver votre terre sainte, il vous est demandé de vous envoler et de vous laisser porter par ce qui arrive. Vous avez comme atout Zolt, la pensée, la réflexion. Et ce Zolt, il nous dit, on ne peut pas juste s'envoler sans réfléchir. Pendant que vous vous envolez et que vous abandonnez vos ancrages, gardez en tête que c'est votre esprit qui vous permet de synthétiser ce voyage, qu'on ne peut pas juste se laisser aller dans l'émotion pour voyager, mais qu'on doit analyser aussi. Il ne s'agit pas de devenir un être décérébré qui se laisse porter par tous les vents. Il s'agit de voler, de laisser son corps être dirigé par des énergies, mais que l'analyse et la lucidité vous guident. La difficulté, vous voyez ce que dit Voyat en troisième, c'est qu'on est obnubilé parce qu'on croit être nos vérités de toujours. Et si vous restez ancré à votre vérité d'avant, elle n'est plus une vérité. La vérité est vraie au moment présent où vous la vivez. Revisitez vos vérités, revisitez vos croyances et celles qui ne sont que de l'ordre des croyances, abandonnez-les pour vous livrer à vraiment la foi de l'existence et de ce qui se présente chaque jour et qui est juste pour vous. Voilà ce que dit Voyat en problématique. Et regardez quel est notre outil et notre invitation pour naviguer avec notre petit navire. Eh bien, tout simplement, Bozem, votre enfant intérieur, est-ce que vous vous rappelez comment s'appelle votre enfant intérieur? Celui de l'état nirvanesque, celui d'avant 7 ans qui savait exactement où est-ce que vous pouviez vous laisser porter en toute confiance, dans quel champ vous pouviez courir en ayant la joie de sentir votre corps porté parmi les éléments, mais votre esprit léger comme un oiseau qui guidait vos pas et votre âme éblouie de tant de bonheur et tant de joie à être au monde. Bozem vous dit ici, l'enfant intérieur, où que tu sois, et où que tu ailles, rappelle-toi que ce qui guide tes pas doit se trouver dans la joie à être au monde. Voilà, mes chers, la beauté de ce tirage. Avec vous, j'entreprends mon chemin vers ma terre sainte et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans l'arbre d'apprendre. Je vous rappelle ici que nous sommes dans un arbre d'entreprendre. J'entreprends mon chemin vers ma terre sainte. La semaine prochaine, j'apprendrai comment le rejoindre. La semaine d'après, je comprendrai ce qui m'y mène, etc., etc. Au plaisir, grand plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous embrasse avec tout mon cœur.